Alors, nous voici en présence de la fameuse toile du David contemplant la tête de Goliath. Et je suis en présence du restaurateur Michael O'Malley, celui qui est intervenu sur cette œuvre-là. On vient de rencontrer Laurier Lacroix, qui est historien de l'art. Mais vous, qu'est-ce qui vous distingue justement de l'historien de l'art en termes de lecture de l'œuvre? Alors, les restaurateurs d'art s'occupent de la matière physique des œuvres d'art. Donc, les matériaux, sa stabilité. Les historiens d'art ont un bagage très important sur le contexte. Le contenu de l'œuvre, le travail de l'artiste, le travail de l'époque, etc. Donc, c'est un partenaire très important pour nous. Mais nous, on a un lien physique très intime avec organique. Les œuvres d'art. On est des manuels des restaurateurs d'œuvres d'art. Donc, on travaille carrément sur l'œuvre. On la manipule, on la nettoie, on la stabilise, on la refixe, on la retouche. Donc, c'est un travail très physique et très intime. Et en même temps complémentaire. Absolument. Alors, les principales étapes d'intervention? Donc, ça commence toujours un peu comme un patient à l'hôpital avec un examen approfondi pour connaître les matériaux, comment l'œuvre est construite, et puis d'identifier et de comprendre les altérations de l'œuvre. Et on propose un traitement, et ça commence un peu par la stabilisation. On veut stabiliser tout ce qui est instable. Donc, dans ce processus-là, à quelque part, vous devez quasi d'altérer l'œuvre parce que vous voulez altérer, j'utilise entre guillemets, parce qu'il faut retrouver son état d'origine le plus possible. De trouver mettre à la lumière du jour tout ce qui subsiste de l'original. De l'original, oui. Exact. Donc, enlever les traces d'intervention qui se sont ajoutées avec le temps. Les traces qui ont mal vieilli et okay. qui étaient... oui, c'est ça, tout à fait. Et quand on parle d'intervention sur le tableau, quand on regarde un pareil format avec la scène, est-ce qu'on peut localiser, évidemment vous l'avez fait, mais les interventions se sont faites à quel niveau, par exemple, du personnage, du tableau, de la composition? Le long des deux coutures qui sont horizontales, sur le pourtour du tableau, sur la tête de David, son œil est presque tout manquant. Et ça, c'est délicat, parce que là, on touche à des éléments très définis. Absolument, absolument. Mais il reste assez de l'original pour reconstruire. Là, ah, OK. Quelque chose que vous devez le reconstruire. Oui, un petit peu. On reprend le doublage, on retire les couches superficielles, les couches non originales. Et là, c'est la partie restauration. Donc, on commence à combler les lacunes. On va appliquer des bouchages. Dans ce cas-ci, c'est des bouchages à base de cire résine qui sont texturés à l'aide d'un moulage pour imiter la texture, la trame de la toile. Parce que cette trame est très prononcée, très particulière, donc on veut donner la même allure à nos interventions. Et on utilise des couleurs de retouche. Ce sont des couleurs qu'on fabrique nous-mêmes. Des pigments naturels? Des pigments, toutes sortes de pigments, mais les pigments stables. Stables. Dans des résines synthétiques qui sont facilement réversibles. Ça, c'est un principe en restauration, la réversibilité de l'intervention. La stabilité de nos produits et la réversibilité des interventions. Vous avez mentionné un aspect que je trouve fort intéressant, c'est-à-dire vous avez analysé un pigment, c'est-à-dire un fragment, un minime fragment de la toile. Ça, c'est des résultats qui nous permettent de voir si c'est une couche picturale très ancienne. Tout à fait. On profite systématiquement des œuvres anciennes qui passent dans l'atelier quand on a des questionnements. Vous avez travaillé au niveau de la signature aussi de l'œuvre. La signature et la date qu'on retrouvait sur la base de la colonne n'était pas originale, malheureusement. Ça arrive parfois qu'il y a des mauvaises surprises comme ça lors des restaurations. Et, il s'avérait que la signature était soluble dans le même solvant qui retirait le vernis jauni. Donc, c'est un solvant doux qui va agir sur les vernis, les résines, et la signature partait aussi facilement que le vernis. Or, les autres couleurs ne partaient pas. Les autres couleurs ont 300 ans. Exact. Les couleurs anciennes sont stables et ils ne sont pas sensibles au solvant. Donc, après discussion, ce n'est pas une décision qu'on prend légèrement et ce n'est pas une décision qu'on décide nous-mêmes. Qu'on improvise. Oui, exact. Tout à fait. Avec beaucoup de consultations auprès des historiens d'art à Montréal et à Québec et aussi avec les propriétaires de l'œuvre.
qui sont le grand séminaire, on a décidé de retirer la signature pour ne pas fausser et tromper. Okay. En sachant très bien que ce n'est pas l'original. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un Pierre Puget. Non, on sait que c'est un tableau du 17e siècle. Voilà. Alors, c'est évidemment le travail que vous avez fait ici sur, sur cette œuvre-là est essentiel pour la connaissance des tableaux du fonds Desjardins. On dit que c'est un des fonds qui a marqué l'histoire de l'art au Canada. Alors, c'est certain que cette contribution dans la restauration, dans l'avancement des connaissances, va permettre d'en savoir davantage. Michael O'Malley, merci infiniment pour cette entrevue. Ça fait plaisir.